Après avoir constaté la fréquence et la gravité des cas d'enfants victimes d'ingestion accidentelle de soude caustique en Guinée, Terre des Hommes a ouvert en 2013 un programme pilote de prise en charge de ces cas. Ce programme a accueilli en 2 ans plus d'une centaine d'enfants, essentiellement issus de la ville de Conakry et de la Basse-Guinée. Toutefois, une enquête a démontré qu'il ne s'agissait là que de la partie émergée de l'iceberg. En réalité, ce fléau toucherait chaque année plusieurs centaines d'enfants et de familles sur l'ensemble du territoire national. Ma fille, elle avait 2 ans et demi. Elle descendait avec sa grande sœur. Elle a eu ça, je ne sais pas comment elle a pensé. Elle a pris, elle a mis ça dans sa bouche. Elle a mangé. Moi, j'étais couchée même. J'ai entendu les cris maintenant. Je me suis levée. On m'a dit que ma fille a mangé la soude caustique. J'ai pleuré, j'ai crié, j'avais peur parce que je n'étais pas informée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Comme Janton, des centaines d'enfants ont eu un accident domestique à cause de la soude caustique. Il y a des enfants qui ont voulu boire de l'eau, mais à la place, ils ont avalé la soude caustique. Il y a des enfants qui ont mangé du savon très concentré en soude caustique, en pensant que c'était un bonbon. Quand un enfant avale de la soude caustique, que ce soit un liquide, de la poudre ou un savon, sa bouche est brûlée, mais aussi son œsophage. Les parois de ce tube se collent et plus rien ne passe. L'enfant ne peut plus boire ni manger. C'est la sténose caustique de l'œsophage, une maladie très grave, qui peut entraîner la mort de l'enfant. Ce fléau est malheureusement répandu. Le plus souvent, chez nos enquêtés, l'espace familial est confondu à l'activité artisanale. Et au même moment qu'elles font les travaux domestiques, ces femmes font l'activité de teinture et de saponification. Et comme la soude caustique représente pour eux une source d'économie, donc un bien précieux. Elles préfèrent garder ce bien à leur côté, donc dans la maison, et le plus souvent accessible à ses enfants. Pour Terre des Hommes, l'année tournant était l'année 2011-2012, lorsque l'on a clairement compris qu'on était devant une problématique beaucoup plus complexe que la simple prise en charge des enfants les plus affectés transférés vers l'Europe. En fait, il fallait développer une réponse qui soit intégrée et qui ait plusieurs axes, notamment la prise en charge sur place, dans les hôpitaux, dans les centres de santé, un facteur prévention qui devait être pris en compte avec des activités qui permettent de réduire les facteurs de risque et également d'améliorer les réponses au niveau des familles, des communautés, des premiers médecins, lorsque l'enfant absorbe la soude caustique. Et enfin, une dimension renforcement de capacité au niveau institutionnel, au niveau également des localités et des centres de santé. Et tout ça, c'est un projet qui nécessitait une grande coordination et un effort de plaidoyer important au niveau de l'État, de la société civile et des communautés. Les questions sont pour les journalistes qui viennent assister à la Préciser. Dans le cadre du projet, nous avions conçu un document de plaidoyer qui raconte d'abord tous les atouts du projet et les enjeux. Et à travers ce document de plaidoyer, nous avons pu organiser des réunions de concertation avec les leaders communautaires, les leaders locaux. Et ces réunions ont même touché les gouverneurs, les mairies, les présidents des délégations spéciales, les chefs de quartier. C'est à l'issue de ces différentes réunions que le projet a été présenté. Et les leaders, les partenaires ont vu les enjeux du projet. C'est en ce moment qu'ils se sont associés au projet pour donner des engagements des uns et les autres aussi, apprécier ce que le projet a déjà fait et toutes les actions du projet. Pour la communication, notre stratégie a pris appui sur 2 axes. Le premier axe, c'était la sensibilisation médiatique. Le deuxième axe, c'était la sensibilisation communautaire. Et pour la sensibilisation médiatique, notre objectif était de toucher un large segment de la communauté avec pour but
les informer sur les risques liés à l'utilisation de la soude caustique. Et pour y arriver, nous sommes passés par la radio, en diffusant des spots radio sur une période de 2 mois, et par la télévision, en diffusant des spots télévisés. Et nous avons utilisé l'image de la Miss CDAO, qui est notre ambassadrice, et l'image de notre médecin conseil, le docteur Balamoussa. Nous avons aussi affiché des panneaux routiers dans toute la ville de Conakry pour pouvoir mettre l'accent sur les messages que nous voulions vraiment que les populations comprennent et prennent des précautions en ce qui concerne les accidents domestiques dus à la soude caustique. Et nous ne sommes pas arrêtés là, nous avons continué avec des articles qui sont apparus dans les journaux et qui sont apparus également sur Internet, parce que pour nous, la communication a été vraiment ou est une arme vraiment importante dans cette lutte. Au-delà de la prévention médiatique, nous avons mené des actions de prévention directe. Nous avons effectué des sensibilisations dans les marchés. Nous avons effectué des sensibilisations dans les écoles. Nous avons organisé des activités sportives pour les jeunes. Et nous avons fait du porte-à-porte. Notre objectif est aussi d'apporter des changements positifs à des personnes utilisatrices de la soude caustique. L'apport de l'organisation non gouvernementale Terre des Hommes Guinée à notre hôpital est vraiment énorme. Quand on prend par exemple le service de chirurgie pédiatrique, nous dirons que le service de chirurgie pédiatrique est un service phare parmi les autres services. Du point de vue équipement, le service a reçu de Terre des Hommes l'appareil d'anesthésie qui nous permet aujourd'hui d'opérer tranquillement les enfants. Le service a également reçu un appareil d'échographie qui nous permet aujourd'hui de poser le diagnostic clair avant de rentrer ces enfants. Vous voyez l'impact sur le travail des chirurgiens pédiatres. Si avant, on opérait les enfants dans les doutes, mais aujourd'hui, nous posons le diagnostic clair et on rentre au bloc, et puis sans tarder, dans la prise en charge de ces enfants, c'est beaucoup amélioré. Après la formation de la chirurgie pédiatrique de l'hôpital Ignace Dine, donc on s'est dit qu'il fallait étendre l'outil pédagogique au niveau des autres structures hospitalières partenaires, notamment l'hôpital régional de Kindia et l'hôpital régional de Boké et tous les différents centres de santé de ces localités. Les études pédagogiques qu'on a offertes sont des kits essentiellement de premiers soins parce que ça favorise un bon pronostic de la maladie de l'enfant, une forte chance de guérison de la maladie de l'enfant. Donc on s'est dit pourquoi ne pas former et outiller nos partenaires en technique de prise en charge dans ce domaine. Terre des hommes Naganto, Enara Falambe, un homme en aime Madidi, en la Mananga Sigasus. Opération là-bas. Mon nom en dégueu, non, à d'anguille, ma mère, moudre en dégueu, parce que n'y a sous les donsés moudanguille, mon conne. Et n'a pas matin tant donsé donde, hein, n'a pas donsé don son nom. De donsé don son nom. N'a pas d'armène, m'béremana son nom, n'y a pas comme mon embourré, n'a pas un barabouré, biggest, thomas, gamma, école, mon couteur là-bas, tout ça. Vraiment aujourd'hui, je suis content. Mon rôle par rapport au phénomène. D'ingestion de brûlure de l'œsophage par ingestion de soude caustique a été de faire prendre conscience non seulement du personnel médical, de la communauté elle-même, mais aussi des décideurs pour pouvoir arrêter complètement ce phénomène dans notre société. Donc nous avons demandé à mettre les femmes en association afin qu'elles puissent avoir beaucoup plus de force pour pouvoir revendiquer et aussi de trouver le nécessaire pour non seulement prendre leurs enfants en charge, les enfants victimes, mais pour qu'il n'y ait plus vraiment de victimes d'ingestion de soude caustique dans notre société. Ce qu'on peut dire avec ce projet de lutte contre la sténose caustique de l'œsophage en Guinée, c'est qu'il nous a permis de beaucoup apprendre, de beaucoup progresser dans la compréhension du phénomène et dans la coordination avec de nombreux acteurs, que ce soit des acteurs de l'État, que ce soit des familles, que ce soit des communautés, que ce soit des médecins. Et c'est un projet qui, de ce point de vue-là, est passionnant, est une véritable aventure, et il progresse géographiquement. On a commencé en 2013 par la région qui est en bleu ici, qui est la région de la Basse-Guinée, avec Conakry, Kindia, Boké.
Puis on est allé vers la moyenne Guinée, la région qui est en jaune. Et à partir de 2016-2017, on ira vers la Haute-Guinée, vers la Guinée forestière. Et on aura couvert ainsi toutes les régions naturelles de la Guinée. Mais au-delà de l'expérience géographique et de son extension, ce qui est le plus intéressant, en fait, c'est d'apprendre à mieux travailler avec les personnes qui sont les plus impliquées à tous les niveaux. Et là, je pense notamment aux groupements féminins qui produisent le savon, qui produisent la teinture. Et on a compris qu'en travaillant avec ces groupements féminins, en les aidant réellement à s'impliquer dans ce projet, on peut aussi atteindre le facteur économique, améliorer leurs revenus, améliorer la capacité à investir ce revenu dans la protection des enfants, dans l'amélioration des conditions de travail, dans la construction de véritables ateliers séparés de la vie privée, de la vie domestique. Et on voit bien que grâce à ce mouvement, on peut augmenter considérablement l'impact du projet en termes de réduction des risques d'ingestion accidentelle de soude caustique. Preview. 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 Preview.